Loin des terrains de foot depuis 2019, date à laquelle il a pris sa retraite, Johan Gourcuff s'épanouit désormais auprès des siens. Et l'ex-milieu de terrain bordelais de 36 ans ne regrette pas d'avoir troqué ses crampons contre la casquette de père au foyer, comme il l'a assuré dans un entretien accordé à Ouest France ce lundi 24 avril. Je me régale. Je n'ai aucun souci à dire que je suis père au foyer. Les journées sont bien remplies, mais voir grandir mes enfants chaque jour, c'est un privilège. Qui plus est, dans un contexte paisible. Ici, on n'est pas embêté. Il y a de l'espace, la mer, les plages, les forêts, les sentiers. Ainsi confié avec enthousiasme celui qui a scellé son amour avec Karine Ferry devant l'hôtel en 2019. Johan Gourcuff, jeune retraité, se complaît ainsi désormais dans cette vie simple et sereine sur les côtes bretonnes. Le papa de Maëlle, 7 ans, et de Claudia, 4 ans, profite donc de son emploi du temps allégé pour prendre le relais de Karine Ferry, régulièrement en tournage, comme il l'a détaillé à nos confrères. Je m'occupe de mes deux enfants, ma femme se rendant régulièrement à Paris pour son travail. Cela prend du temps et demande de l'organisation. Mais l'ancien membre de l'équipe tricolore s'accorde également du temps rien que pour lui. Je balade aussi mes deux chiennes tous les jours pendant une heure au minimum, peu importe le temps, quand les enfants sont à l'école. C'est apaisant. Bref, une question d'équilibre. Supérieur à Karine Ferry et Johan Gourcuff. Plus amoureux que jamais, ils répondent présent pour l'association Elle a l'amour du ballon rend de père en fils s'il ne joue plus au football à un niveau professionnel. Johan Gourcuff s'est tout de même réhabitué à taper dans la balle pour son fils. Après l'arrêt de ma carrière, je n'ai pas touché un ballon pendant plusieurs années. Là, je me remets à jouer dans le jardin avec mon fils. On fait des tirs, on alterne les rôles de gardien et d'attaquant, ainsi confié le chéri de l'ancienne chef d'orchestre de danse avec les stars, TF1, à Ouest France. Et de poursuivre avec fierté, je l'accompagne aussi à ses entraînements et à ses matchs, dans le rôle du papa qui le voit grandir. Je veux surtout qu'il prenne du plaisir et s'amuse avec les copains. Un bel exemple de transmission. Article écrit en collaboration avec 6 Médias Crédit Photo, Cyril Moreau.